on se retrouve en voiture, direction la montagne, et nous allons faire un petit pique-nique. Alors, vers où ça s'appelle le petit patelin où nous allons, mon cœur? Parce qu'on peut le dire, je pense que ça nous... Léoncelle. Léoncelle. Pour ceux qui ne savent pas, c'est dans les Alpes, c'est ça? Les Préalpes. Le Vercors. Donc, dans le Vercors, c'est parce que mon chéri a une tata et un cousin qui tiennent une ferme avec des meux, ce qui font du lait bio, voilà pour la petite histoire. Et du coup, on va aller pique-niquer vers là-bas et peut-être, s'il a envie de nous en prendre, nous irons voir les meux. Mais moi, j'ai peur des meux, donc si on n'y va pas, ça ne manquera pas. Voilà. Mais moi j'y vais, moi je veux dire, il faut que ma tata voit les petits. Hein. Oui, elle a pas vu lire, c'est vrai, donc on va aller faire coucou. On va aller voir les meufs. Donc Eden il est là, Lily Rose elle est là, Chouchou il est là, et on a une copine Caroline avec nous. Et là on est sur notre petit spot, donc c'est un petit coin à bord de rivière. C'est là où on va s'asseoir pour manger. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont l'habitude parce qu'il y a l'air d'avoir un coin où les gens font un feu. C'est cool hein, mon cœur hein. Et là on a sorti la poussette pour installer Lily, les affaires. Ouais. Et il fait frais et ça c'est agréable parce que je peux vous dire qu'il fait une chaleur. Ça y est ma puce, ah, tu vas être bien. Non, il se met au bord de l'eau, regarde, pour moi il n'ose pas. Hop. Voilà. Il a eu sa robe comme il faut. Attends. Vas-y. Tu vas toi? On est bien hein. Tu as sorti sa sucie au cas où? Coucou. Ça va mon bébé? Ça va? Eden il va te piquer la place du boulot. Ça va moi. Je suis bien papa. Tu viens de sortir? Hein? Elle fait du bien, hein. Elle fait des sourires. On est bien là. Oh, on est trop bien. Bon, par contre, je vais te décaler vers là. On met là au milieu. Hop là. Hop là. Tu peux bouger. Tu peux bouger. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you. On reprend la voiture, on a fait notre petit pique-nique, c'était trop bien. Maintenant on va direction chez la tante d'Anthony, donc c'est la sœur de sa maman, pour faire les liens. Donc pour aller voir les meux. On va aller voir les vaches, mon cœur. Oui, les meux. Les meux, lui il va être content, il aime bien ça. Les aime. Donc là on va prendre une petite route qui est trop sympa. Ah ouais, c'est parti. Bon, on est à la ferme de la tante et du cousin Anthony, ce qui sont plusieurs à s'en occuper. Eden il est là, on est à la recherche des vaches, mais elles sont pas là où elles font dodo. Je sais pas, elles doivent être dans les champs sans doute. Lily Rose elle est derrière là-bas avec Caroline et Anthony, bah, il est en train de boire le café. Mais nous on a voulu aller voir les vaches, mais il n'y a pas, pour le moment il n'y a que les grosses poules. Oula, ça c'est le coq ça. Je sais pas si c'est quoi. Ouais, t'as vu, il y a le coq mon cœur, mais lui c'est pas le copain. Lui il poursuit, il défend ses poules. Regarde, t'as vu comme il est gros? Ça va, Eden le regarde et... Il ne fonce pas droit dessus, c'est au moins ça. Mais je peux vous dire qu'il poursuit les poules sans souci. Hein. C'est pas grave. Oh, il se rattrape. Hein? C'est les vaches. Les petits veaux, mon cœur. Voilà. Ça fait pas ce bruit-là, tu vois, ça fait meuh. C'est des meuh. Non, lui, toutes les bêtes font. Ouais. Chez Eden, pour le moment, tout fait eux. Mais c'est pas possible, il faut que je te prenne un stage. Thank you.
something for you lately. And I am trying so hard to just stay cool. Bon, on est quasiment arrivé, on vient de poser Karine chez elle, Eden dort. Et ça y est, enfin Lily Rose dort. Je peux dire qu'on est pour 3/4 de route et jusque-là, Lily Rose, elle faisait pas de deux. On rentre à la maison. Et il fait une chaleur, les amis. Une chaleur. Bah là, et on sent la ferme. Ouais, on donc sent... là, je vais pas attendre ce soir pour aller me doucher, vous voyez. Surtout Eden, c'est lui qui a le plus trifouillé dans. Oh, mais lui, là, il dort, c'est mon avis. Après la sieste, mon cœur. Ça lui fera du bien. On mettra déjà un coup dans la piscine. Parce que là, on est monté pour qu'il fasse frais. Mais franchement, on peut la redescendre. Bah, en fait, c'est simple. Il fait 33 degrés ici. Encore, c'est la voiture qui dit ça. Ici. À l'arrêt, ça doit être un peu plus en plein soleil. Là-haut, on était à 27. Ouais, là-haut, il faisait 27. Et déjà, on avait chaud. Hop, attache les pieds à maman. Hop, tiens. On est rentré. Moi, je sors de la douche. On est en train de faire goûter Eden. Après, le Steve va aller à la douche. Donc, il est en train de manger ses trucs Kiri, là, avec les bâtonnets. Comme je vous ai expliqué l'autre fois, il mange le Kiri. Enfin, il susote le Kiri. Et après seulement, il mange les petits les croustilles. Donc bon, Lily Rose ne fait toujours pas de dos, elle aurait quasiment pas dormi de la journée avec la chaleur. Elle a dormi sur l'allée quand on est monté dans le Vercors. Elle a dormi un tout petit peu sur le retour, elle a une petite demi-heure et là elle dort plus. On l'a déshabillée parce qu'il faisait trop chaud la demoiselle. Non, va tremper mon cœur, vas-y toi. Oh là là, qui c'est qui va aller prendre une bonne douche aussi, c'est toi? On va d'abord faire la douche à ton frère et toi tout à l'heure, ça te va? Ouais, oh là là, t'es baba. Oh là là. Oh là là.